Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage le top du comfort food pour notre famille, le pâté chinois. Les Français, vous appelez ça aussi un parmentier. Donc aujourd'hui, je te partage une version québécoise qui normalement est steak, blé d'Inde patate, donc fait avec du bœuf haché. Ici, on va faire une version vegan, mais en plus d'être vegan, c'est une version hyper santé parce qu'elle est faite seulement à base d'aliments entiers et sans aucune matière grasse. Donc, j'ai vraiment très hâte de te montrer cette recette. Je l'ai découvert totalement par hasard en l'essayant cet été et c'est devenu un coup de cœur pour moi. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette série spéciale délices d'automne. Laisse-moi dans les commentaires quel style de vidéo t'aimerais voir sur ma chaîne. Donc, sans plus tarder, on va à la vidéo maintenant. Pour commencer notre pâté chinois ou notre pâté parmentier, on va commencer par couper une demi-patate douce en petits cubes. La grosseur des cubes n'a pas vraiment d'importance, c'est selon votre goût à vous. Moi, je les ai coupés vraiment très petits pour qu'ils s'agencent aux lentilles. Ici, j'ai utilisé une conserve de 15 onces de lentilles brunes. C'est très important lorsque vous utilisez des lentilles ou des légumineuses en conserve de bien les rincer tant qu'il vous reste de la mousse. Lorsque vous rincez, vous devez continuer à rincer parce qu'il reste encore du liquide de cuisson ou de trempage et c'est ce qui les rend moins digestibles. Ici, j'ai aussi ajouté une demi-tasse de pois verts congelés. Je mélange le tout pour que le mélange soit homogène. J'ajoute ensuite une tasse de maïs surgelé et je m'assure de choisir une variété qui est identifiée comme étant sucrée. Ça ne veut pas dire qu'il y a du sucre ajouté, mais ça veut simplement dire que cette variété-là goûte plus sucrée que les autres. J'ajoute aussi une conserve de maïs en crème et je m'assure d'utiliser une qui n'a pas de sel ajouté. J'égalise le tout de façon bien uniforme sur la première étage pour en créer une deuxième étage. Par la suite, je préparerai l'étage final qui est une purée de pommes de terre. Je commence par peler 5 grosses pommes de terre. J'ai utilisé ici la variété Yukon Gold, mais vous pouvez utiliser celle qui vous convient. Par la suite, je vais les couper en morceaux de grosseur égale pour qu'ils cuisent uniformément. Et je vais les mettre à bouillir jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Dès qu'elles sont tendres, je les égoutte et ensuite je vais assaisonner avec du sel et du poivre. J'ajoute simplement du lait de soya, la version régulière sans sucre ajouté, et je vais piler avec un pilon à patates jusqu'à ce que j'obtienne la consistance désirée. Moi, j'aime quand même que ce ne soit pas trop liquide. Donc, allez-y vraiment avec vos préférences. Par la suite, on va égaliser notre étage de pommes de terre. Vous pourriez à ce stade-ci décider d'ajouter un peu de beurre vegan sur le dessus pour le faire encore plus doré, pour les mêmes raisons pour lesquelles je ne cuisine pas avec de l'huile au quotidien. Ici, je n'en ajoute pas, mais vous pouvez très bien le faire. On enfourne ensuite pour environ une heure à 350. J'aime bien le laisser cuire longtemps pour que les saveurs se marient, mais aussi pour que la patate douce qu'il y a dans mon mélange de lentilles soit bien cuite. Et ensuite, on peut servir et déguster. Voilà, bon appétit!